Bonjour, je suis Baptiste Borouel, médecin psychiatre dans le service du professeur Lançon, et je vais vous parler aujourd'hui des troubles anxieux, des éléments de sémiologie et de thérapeutique. Les objectifs du cours vont être de pouvoir reconnaître du coup les différentes manifestations de l'anxiété dans différentes populations cliniques et en fonction de l'âge, savoir diagnostiquer les différents troubles anxieux, et pouvoir informer le patient qui souffre de troubles anxieux sur ses symptômes et les principes de gestion du stress, savoir le rassurer et appliquer des techniques simples de relaxation et de pouvoir orienter, expliquer le traitement que vous proposerez pour son trouble. Le plan du cours va être le suivant, c'est-à-dire des éléments de généralité sur les troubles anxieux, d'épidémiologie, des définitions, les différentes comorbidités et les modèles pour les différents troubles anxieux. Enfin, on va revoir les différents types de troubles anxieux, leurs éléments de diagnostic et de classification. Et la troisième partie sera consacrée donc à la prise en charge des troubles anxieux, à la fois en aigu, donc dans le cadre de l'attaque de panique, et au long cours pour la prise en charge globale et plus spécifique des troubles anxieux. Pour commencer, donc, les éléments de généralité. En ce qui concerne les troubles anxieux, c'est les troubles psychiatriques les plus fréquents. On considère qu'il y a à peu près entre 15 et 20% de prévalence sur un an et sur la vie entière pour les troubles anxieux. Ils sont cependant sous-diagnostiqués, probablement parce qu'ils passent au second plan des plaintes concernant les troubles de l'humeur ou d'autres troubles chez les patients qui consultent. Si on doit prendre en compte les différents troubles eux-mêmes, les plus fréquents sont par ordre la phobie spécifique, toutes les phobies, soit de situation ou d'objet spécifique, bien devant tous les autres, même si les gens ne consultent pas particulièrement, pour les phobies spécifiques en priorité. On a ensuite le trouble panique, puis la phobie sociale et le trouble anxieux généralisé à peu près au même niveau, devant ensuite le trouble, obsessionnel compulsif et les troubles de stress post-traumatique. Pour la plupart des troubles anxieux, on considère qu'il y a un début chez le sujet jeune, même si certains troubles commencent plus tardivement dans la vie. Donc la plupart dès l'enfance, avec une évolution qui va être chronique en fonction des différents facteurs de stress et des événements de vie. On constate également une prédominance féminine pour les troubles anxieux, à peu près 2 pour 1 chez les patients. Pourquoi est-ce qu'on vous parle aujourd'hui des troubles anxieux? Ben parce que, en plus de la fréquence, on sait qu'ils ont un impact majeur en termes de santé publique, de par les arrêts de travail, le retentissement social et amical pour les patients, l'isolement, et du coup le fait qu'ils consultent dans ce cadre-là. Ce qui est important, du coup, c'est que l'anxiété, les troubles anxieux, rentrent dans le cadre du coup de dérèglements émotionnels. L'émotion qui est rattachée à l'anxiété va être l'émotion de peur, qui est donc l'émotion qu'on ressent face à un danger. Donc c'est un mécanisme normal de réaction face à ce danger. Le stress, ça va être plutôt le mécanisme qu'on va constater au niveau de l'organisme sur n'importe quelle contrainte environnementale, qu'elle soit thermique ou de pression ou autre. L'anxiété va être définie comme une réaction normale, physiologique et psychique de cette réponse au stress. Et si, quand on parle d'angoisse, on va dire que ça va être une peur sans objet, définie. Donc l'anxiété ou la peur, on va dire, donc l'émotion qui est rattachée est une émotion normale. On va parler de troubles anxieux ou troubles de l'anxiété lorsque on a des pathologies durables qui sont caractérisées par une anxiété à la fois excessive, ou envahissante, ou incontrôlable dans des situations où elle ne devrait pas avoir lieu. Les caractéristiques cliniques de l'anxiété. Ce qui est très important à retenir, c'est que l'anxiété, c'est pas que dans la tête. Il faut pouvoir rassurer les patients sur le fait que les signes physiques qu'ils vont ressentir, les symptômes physiques qu'on va retrouver, sont tout à fait habituels dans l'anxiété. Donc, je vais vous décrire déjà donc, les signes physiques qu'on retrouve. Il y a tout un tas, on ne les retrouve pas tous en même temps, évidemment, ça dépend des situations, mais on va retrouver en priorité des symptômes respiratoires, la tachypnée en premier lieu, qui va conduire à un symptôme majeur qui est l'hyperventilation,
On vous expliquera dans les modèles étiologiques que l'hyperventilation va en plus aggraver les sensations physiques chez le patient anxieux. Donc avec tout un cortège de symptômes d'impression de souffle coupé, de sensations d'étouffement, de dyspnée. Au niveau cardiaque, ça va être l'accélération du rythme cardiaque, la montée de tension artérielle, des palpitations, des douleurs thoraciques. Une modification, on va dire, perceptuelle, neurosensorielle, à la fois au niveau musculaire, des myalgies, des contractures, des tensions qui vont se manifester aussi par des tremblements. Des troubles sensitifs, des paresthésies, sensations de malaise, de vertige et des modifications du coup au niveau visuel, du flou, des distorsions ou au niveau auditif comme des bourdonnements d'oreilles, des acouphènes ou des maux de tête. Au niveau digestif et urinaire, on a une accélération du transit, des douleurs, des ballonnements, des crampes ou des mixtions impérieuses. Au niveau neurovégétatif, on va avoir des modifications au niveau cutané par des rougeurs, des pâleurs, une augmentation de la sudation, les mêmes moites, une augmentation du coup de la transpiration, la chair de poule ou sensation de nausée ou même des vomissements. Et au niveau général, du coup, une fatigue, une asthénie, des douleurs diverses, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. En plus de ces signes physiques, on a des signes psychiques. Si on parle de signes donc au niveau de la cognition, une cognition, ça va être différentes choses à retrouver chez les patients. Les patients peuvent décrire des pensées, des monologues internes, des images mentales, des souvenirs ou même d'anticiper certaines choses. Donc, au niveau de ces signes psychiques, au niveau de l'anxiété, on constate donc une inquiétude pour des dangers immédiats, par exemple, qui constatent immédiatement ou même potentiels, des pensées catastrophes, des ruminations, des obsessions, des distorsions, toutes sortes d'interprétations erronées, en tout cas de situations réelles, ou des souvenirs pour certains événements traumatiques. Au niveau comportemental, ce qu'on peut constater, ça va être soit des situations de fuite, d'évitement de certaines situations anxiogènes, soit au contraire une accélération motrice sous la forme d'agitation, d'agressivité, d'impulsivité, ou alors une forme d'inhibition, de sidération motrice. D'autres choses peuvent être opérées comme des compulsions, c'est-à-dire des actes répétés, des rituels, des conduites contraphobiques, c'est-à-dire des conduites qui vont rassurer la personne lorsqu'elle est dans des situations de stress, ou alors par des prises de produits. Lorsqu'on reçoit un patient anxieux en entretien, on peut remarquer certaines choses lors de la conduite de l'entretien. On va par exemple pouvoir observer la personne et se rendre compte de ces différents signes physiques que je vous ai rapportés, ainsi que certains tics moteurs au niveau visuel, au niveau de la posture. Notamment donc au niveau de la posture, soit en termes d'accélération, donc d'une instabilité motrice, ou au contraire une tenue plus rigide. Le patient anxieux peut avoir une tendance à parler plus ou plus rapidement, ou au contraire être un peu plus inhibé, avoir l'impression d'éviter certaines choses, d'être un peu plus bizarre avec des rires nerveux. Une certaine perplexité ou des difficultés pour répondre à certaines questions, une tendance à faire répéter les questions, peuvent aussi avoir l'impression qu'ils n'ont pas entendu ou comprendre certaines réponses du thérapeute. En termes émotionnels, on constate une forme de labilité, que ce soit dépressif ou exalté, une irritabilité, une forme d'hypervigilance dans le bureau du thérapeute. Et il faut questionner la personne sur des choses qui peuvent accompagner du coup les plaintes anxieuses, comme les désordres cognitifs en termes de concentration, de mémoire, les troubles du sommeil. Alors, on constate plutôt une tendance à une difficulté d'endormissement à cause de certaines choses comme les ruminations ou l'hypervigilance, ou des troubles du sommeil comme des cauchemars. L'appétit va être perturbé, soit sous la forme d'une anorexie, ou au contraire d'une augmentation de l'appétit comme par l'hyperphagie. Également, les troubles relationnels, les patients anxieux vont rapporter effectivement des troubles des interactions sociales qui vont être importants à définir pour la suite. Alors, les multiples visages de l'anxiété, c'est aussi que l'anxiété, ce n'est pas uniquement les choses dont je vous ai parlé, notamment si on parle en service de médecine où on a des différentes formes d'anxiété,
Les patients qui viennent consulter pour des plaintes somatiques, on a, que ce soit dans les cadres de plaintes hypochondriaques ou de douleurs réelles, des comportements régressifs, nécessité de soutien plus important dans certains contextes, ou une forme d'hostilité, d'agressivité envers les soignants, des raptus anxieux, c'est-à-dire dans une forme de vulnérabilité dépressive qui conduirait à des passages à l'acte suicidaire notamment, de mutisme, donc d'absence de réponse verbale, ou de refus de soins, des problèmes d'observance, de traitement, d'échec de traitement qui sont souvent liés à des peurs, des craintes, où les patients n'osent pas forcément toujours demander, par rapport aux prises médicamenteuses. Les comorbidités sont extrêmement fréquentes et handicapantes pour les patients avec de l'anxiété. Au niveau de l'anxiété chronique, ce qu'on peut retrouver, ça va être des dérèglements à différents niveaux, notamment au niveau physique, puisque d'avoir du stress chronique au niveau de l'organisme va conduire à des problèmes cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, des syndromes coronariens aigus, des accidents vasculaires cérébraux. Les patients vont se plaindre de maux de tête chroniques par le biais des céphalées de tension, des troubles fonctionnels intestinaux, des douleurs dorsales, des rachialgies. Au niveau psychiatrique, la comorbidité est importante au sein des troubles anxieux. On va souvent retrouver différents troubles anxieux associés lors du screening initial. Des troubles de l'humeur, alors au premier plan la dépression, mais d'autres troubles également, ainsi que les comorbidités addictives. Au niveau social, les patients vont avoir une restriction d'autonomie, un impact au niveau des relations professionnelles ou du maintien en activité et un isolement progressif au niveau des relations amicales. Donc le triptyque un peu typique au niveau en termes de comorbidité pour les troubles anxieux, ça va être effectivement la dépression au premier plan et les addictions. Il est extrêmement essentiel de questionner le patient sur ces éléments-là lors de l'entretien initial, pour savoir de quelle manière ces comorbidités vont avoir un impact sur la qualité de vie et les soins à proposer pour le patient. Je vais maintenant vous présenter les modèles étiologiques pour les troubles anxieux, puisqu'il n'y a pas de modèle unique, et en plus ce sont des hypothèses sur le fonctionnement des différents troubles anxieux. Avant de vous présenter les modèles véritablement étiopathogéniques pour les troubles anxieux, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'écrits, même depuis l'Antiquité, sur l'angoisse, qu'on différencie du coup de la peur ou de l'anxiété, puisque du coup l'angoisse va faire plutôt référence à des questionnements philosophiques sur l'existence humaine, et on peut considérer aussi donc ces aspects-là dans la prise en compte des plaintes du patient, sur une approche vraiment plus philosophique. Du coup, Kierkegaard avait une approche en termes d'angoisse par rapport à tout l'ensemble des possibilités de la liberté humaine sur l'existence même de l'homme. Et cette approche a été développée au niveau phénoménologique par Heidegger sur une attitude métaphysique, l'angoisse étant du coup l'essence même de l'existence humaine. De façon plus intégrative, Sartre sur le courant existentialiste a fait une synthèse du coup de cette angoisse sur la liberté ou le néant, donc l'angoisse de la mort en plus. Donc concernant ces aspects multifactoriels en termes d'éthiopathogénicité, il y a différents modèles qui rentrent en compte, à la fois génétiques, neurobiologiques, psychologiques et environnementaux, et je vais donc vous citer les principales. En premier lieu, les modèles psychodynamiques, à la fois du coup les théories freudiennes, psychanalytiques, qui ont longtemps en tout cas marqué le courant diagnostic psychiatrique avec la question de la névrose d'angoisse. Alors, sur la typologie freudienne, il y a eu différents questionnements au cours de ces écrits. D'abord sur la question des pulsions sexuelles qui seraient refoulées dans l'inconscient et du coup le déplacement de la peur et du coup de l'expression des manifestations anxieuses qu'on retrouverait chez le patient. Ça signalerait du coup un conflit intrapsychique
à résoudre pour le thérapeute, le psychanalyste. L'angoisse névrotique serait différenciée d'autres types d'angoisse chez Freud, l'angoisse actuelle, l'angoisse traumatique et l'angoisse devant un danger réel. Ces questions-là ont été développées par d'autres psychanalystes par la suite au cours du XXe siècle. D'autres théories, notamment la théorie de l'attachement de Bowlby chez l'enfant, permettent aussi une compréhension de certains développements psychologiques chez l'enfant, les figures d'attachement étant les figures de première sécurité pour l'enfant et le développement psychomoteur chez l'enfant va intégrer ces questions d'attachement en termes de sécure ou insécure à l'origine de certains troubles anxieux. Par la suite, les modèles behavioristes, qui sont les modèles liés aux théories comportementales, donc elles sont rattachées à des théories d'apprentissage. Pavlov a décrit le conditionnement classique en termes de stimulus-réponse face à une situation précise avec les expériences sur les chiens. Un chien à qui on montre un morceau de viande va saliver et on peut, grâce à un stimulus défini par exemple une sonnette, une sonnerie, ensuite faire saliver le chien même en l'absence de viande. Donc on a pu conditionner le chien à avoir une réponse qui n'était pas à la base présente. Le conditionnement opérant de Skinner intègre un autre paramètre qui va être le comportement observé, qui aura également un impact sur la réponse du sujet. C'est tous les théories qui intègrent le modèle de renforcement d'une action, au contraire d'inhiber une action par exemple une punition. Donc ça, c'est véritablement des modèles très théoriques d'apprentissage, mais qui ont été ensuite appliqués à des choses plus cliniques chez l'homme, notamment par Watson, qui est à l'origine du courant behavioriste. Là, vous avez donc l'expérience du petit Albert, où c'est un modèle de phobie, de création d'une phobie chez un bébé qui initialement a été exposé à un animal, un rat blanc. Sans aucun problème, et ensuite, pareil, a été associé un bruit très fort qui a pu effrayer l'enfant en même temps qu'il était exposé au rat, et petit à petit, l'enfant, en présence du rat, a développé des comportements de peur et d'anxiété avec des pleurs alors qu'il n'y avait plus de bruit effrayant. Donc, un modèle, on va dire, expérimental de création d'un trouble anxieux. Les modèles cognitifs, donc en lien avec les cognitions, sont des théories de traitement de l'information au niveau cérébral. C'est de quelle manière les informations donc sensorielles qui arrivent au cerveau vont être traitées en termes de pensée et puis de comportement. Dans le modèle des troubles anxieux de Beck, les schémas cognitifs qui sont stockés dans la mémoire, qui sont des schémas erronés de traitement de l'information de danger, vont effectivement sélectionner certaines informations chez le patient anxieux pour conduire à des interprétations catastrophiques dans certaines situations précises. Le modèle a été par la suite défini, comme vous l'avez là, par Clark et Sapkowski, où un événement déclencheur, qui peut être un événement de stress externe ou interne, de ressenti du sujet, où le sujet va percevoir une menace, qu'elle soit réelle ou non, ressentir une appréhension qui va conduire à, entre autres, l'augmentation du rythme respiratoire, donc l'hyperventilation, qui va aggraver les sensations corporelles par l'hypocapnie et du coup à l'origine d'interprétations catastrophiques qui, par ce cercle vicieux, à nouveau augmenter le niveau d'angoisse perçu. Ces modèles-là, avec le modèle comportemental précédemment décrit, sont à l'origine des thérapies cognitives et comportementales. Au niveau neurobiologique, différentes cibles ont été décrites pour expliquer l'apparition des troubles anxieux. Pour la plupart des troubles anxieux, on sait que l'amygdale cérébrale est largement impliquée dans le circuit de la peur.
en lien avec le système limbique et l'hippocampe dans le traitement des émotions, mais également par rétrocontrôle avec le cortex frontal. Différents récepteurs sont impliqués également, les cibles GABA, les récepteurs GABA qui sont donc la cible de certaines molécules, dont les benzodiazépines ou l'alcool, d'où l'effet anxiolytique de ces molécules-là. Le système monoaminergique est largement impliqué de différentes manières par la voie sérotoninergique et la voie noradrénergique. Mais on sait que d'autres voies en cours d'exploration, par le biais du glutamate ou des opioïdes, ont un effet également sur l'anxiété. Enfin, au niveau périphérique, tout un système hormonal par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est impliqué dans les mécanismes de stress par notamment le cortisol qui va être sécrété lors des phénomènes de stress. Vous avez donc ici un modèle qui résume certaines interactions dans le circuit de la peur, avec au centre les différentes parties de l'amygdale cérébrale impliquées, qui reçoit donc des afférences donc sensorielles par le thalamus ou l'insula, mais également par des stimuli contextuels stockés dans l'hippocampe et qui, en relation avec le cortex frontal, va interagir avec d'autres cibles comme l'hypothalamus. Enfin, un modèle plus intégratif, le modèle biopsychosocial, va intégrer donc différents paramètres. Ce modèle par Barlow de la triple vulnérabilité prend en compte à la fois une vulnérabilité biologique des patients, sur donc une part génétique à l'origine du développement neuronal, cérébral, chimique, biologique, impliqué dans les circuits qu'on vient de décrire. La part psychologique par tout le développement affectif, notamment au cours de l'enfance, pour le patient. Et enfin, une vulnérabilité biopsychosociale, de tout ce qui va impliquer un stress chronique ou des traumatismes et qui vont marquer, certaines cibles dans, le développement de la personne. Ces stress chroniques, ces traumatismes sont à l'origine d'une alarme anxieuse qui va être développée par l'expérience de l'individu, une alarme apprise du coup, mais également des fausses alarmes qui vont être déclenchées en lien avec différents stimuli. Vous avez ici des références qui sont importantes, hein, donc la classification DSM qui est quand même très claire et qui permet d'avoir les critères diagnostiques pour les différents troubles. Vous avez un manuel aussi sur les troubles anxieux qui reprend les différents modèles étiologiques et les points thérapeutiques pour les différents troubles. La HAS a donc une fiche pour l'ALD pour les troubles anxieux graves et le référentiel de psychiatrie a également mis à jour la classification des différents troubles. Vous avez en annexe une liste d'articles à consulter concernant les recommandations, notamment thérapeutiques. Vous avez mon mail en début de présentation, donc si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai. Merci de votre attention. Au revoir.